Je snap dans le noir parce que franchement la journée que j'ai passée les filles, j'ai passé 1h40 dans les bouchons, j'ai oublié la clé avec les enfants et tout. My God, comment je suis fatiguée. Mes enfants, ça y est, ils dorment et tout. Oh, je suis KO mes gars. En ce moment, Paris, c'est l'horreur, les bouchons. Tu restes 1 heure facile sur la route, mais facile, genre. Pour aller d'un point A à un point B, c'est horrible. Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite tête parce qu'en fait il me reste que 2-3 cils. Du coup je suis allée chez Sun Ladies, base, voilà, vous me connaissez. Je veux pas, en fait c'est toujours le même bon plan. Je suis allée là-bas, là je récupère mon mari, ma soeur a pris mon fils. Je vais vous envoyer en plus la photo, la vidéo qu'elle m'a envoyée, trop mignon. Franchement, en vrai les filles, tout le monde me pose la même question. Quand je suis dehors, quand je suis dans des coiffeurs, quand je vous croise ou quand bien même en message. Quand on me dit, Camélia, comment tu te sens à Paris? Est-ce que tu regrettes pas Dubaï, etc. Mais les filles, pour rien au monde, je regrette Dubaï. Je vous jure, c'était sympathique, c'était beau. Je suis restée 4 ans, c'était vraiment bien. Mais les filles, il n'y a rien qui t'achète en fait ta famille, ton cocon. Si t'es famille en fait, tu vois. Si t'es famille et tout, il n'y a rien qui t'achète... Il n'y a rien qui t'achète tout ça en fait. La vraie vie, je vous jure, la vraie vie. Je sors, je vais voir ma mère. Demain, c'est la fête des mères. Et donc, demain, je vais passer la fête des mères. Ça fait plus de 4 ans que je n'ai... Et même plus... C'est même pas plus de 4 ans, les filles. Parce que avant, j'habitais même pas encore à Paris. C'est-à-dire que là, il y avait 4 ans de Dubaï, encore une fois. Et ensuite, il y avait Genève. La dame, elle a touché mon rétro. Tranquille, tout va bien. Et en fait, il y avait Genève. Donc, j'ai jamais habité à côté de ma mère. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans que je suis mariée. Ça fait plus de ça, en fait. Depuis 2016, les filles, imaginez-vous. Donc, je suis trop contente de revenir auprès des miens. Surtout même professionnellement parlant. J'ai plus d'ouverture à faire des choses ici. Donc, pas dans l'influence. Pas, genre, on va dire, en tant qu'influenceuse, je déteste ce mot. Mais en tant que plus, je vais pas dire... En fait, dans les business, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus d'ouverture, je me sens mieux ici. Alors qu'à Dubaï, bah, t'as l'impression que t'es pas réellement chez toi. Donc, tu sais pas, est-ce qu'il... En tout cas, les filles, enfin, moi, j'étais pas ultra à l'aise, par exemple, d'ouvrir quelque chose à Dubaï ou de faire quelque chose à Dubaï. Alors qu'à Paris, franchement, attendez-moi au tournant. Ça fait quelques mois que je suis ici, mais voilà, en tout cas vous serez pas déçus. Je vous en dis pas plus. Et franchement, je suis trop contente, les filles. Je suis trop contente. Je vis ma vie, ma meilleure vie. Ça fait depuis, en fait, je me dis, mon cœur il était éteint depuis 7 années limite. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas quand j'étais à Genève, mais à Dubaï, ça m'a tout puisé. Je me suis dit, j'avais plus de vie sociale, plus de famille, plus des amis. En fait, c'est des amis qui sont... Vous avez des vrais amis. Je vais pas dire... franchement, j'ai fait des trop belles rencontres à Dubaï. Mais il y a des amis aussi qui sont là par intérêt. C'est beaucoup de l'intérêt. C'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup de l'enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire? À Dubaï, c'est très bling bling, très enveloppe, etc. On va pas chercher le cœur de la personne. On va chercher ce que la personne, elle fait dans la vie. Ce que la personne fait dans la vie, combien elle gagne, si elle est habillée en marque de luxe ou pas. Alors que ici, en fait, c'est juste au feeling. C'est juste, est-ce qu'on se sent bien avec la personne? Est-ce que, enfin, voilà, en fait, tout simplement. Et oui, il y en a qui vont dire non, mais franchement, la France, ça devient n'importe quoi, etc. Mais les filles, faut aller voir ailleurs pour comprendre, en fait, ce que réellement on a. Pour pouvoir comprendre, en fait, que vraiment, vous vous sentirez bien, 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 bien chez vous, ici. Pareil aussi, j'ai quelques projets pour l'Algérie. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles aussi. Maintenant, avant, c'était à 6 heures de vol. 7h30, je crois, je sais même plus. Maintenant, c'est à 1h30, je crois, de vol. Donc cette année, je serai beaucoup plus en Algérie. Bon, le programme, du coup, les filles, franchement, vous imaginez, demain, je passe la fête des mères avec ma mère. C'est un truc de fou, bref.